Le chanteur, Justin Bieber, fait à nouveau face à des accusations d'appropriation culturelle après avoir partagé des photos de lui en dreadlock. C'est ce dimanche 25 avril, qu'il avait partagé cette photo sur Instagram montrant sa coiffure avec une chemise à carreaux et un collier en perles roses. La réaction des fans ne s'est pas fait attendre et la désapprobation est bien au rendez-vous. En effet, de nombreux commentaires négatifs ont suivi. Ce n'est pas ça Justin, avait écrit un internaute sur Instagram pendant qu'un autre donnait son avis sur Twitter avec alors @scooterbrown, toi et ton client @justinbieber, vous affichez BLM pendant des jours et parlez d'être un allié ou de vous éduquer, mais vous vous retournez pour faire cette bêtise très performative, j'en ai marre de vous tous. Ce n'est pas la première fois, rappelons que les dreads aussi appelés locks sont liés à l'histoire, à la communauté noire et à la discrimination. Ce n'est pas la première fois que le chanteur, Justin Bieber, avait été critiqué pour avoir porté des dreadlocks. Déjà en 2016, la star avait affiché cette coiffure lors des IR Tribe aux Music Awards et avait déjà essuyé de vives critiques. Ces accusations font suite à des critiques selon lesquelles Justin Bieber aurait utilisé le mouvement Black Lives Matter afin de promouvoir son nouvel album Justice. Rappelons que Justin débute son album avec un enregistrement de Martin Luther King Jr. disant « L'injustice n'importe où est une menace pour la justice partout ». La fille de King, Bernice King, a tout de même fait une déclaration de soutien au chanteur par la suite.